êtes pour la première fois en Italie, ici à Cosenza. À l'invitation de Luca, que nous remercions beaucoup, qui expose les unes de Charlie Hebdo, les dessins de tous les collaborateurs, ceux qui ne sont plus là et ceux qui continuent. Et ça a le sens pour nous, c'est qu'à Paris on continue, à Cosenza aussi. Allora, noi abbiamo raccolto positivamente l'invito di Luca Scornajenchi e siamo qua ad esporre le migliori cover dei nostri disegnatori, quelli che non ci sono più e quelli che invece continuano nel nostro lavoro. Per noi il lavoro continua a Parigi come continua a Cosenza. Come si sente cambiata dopo quello che è successo? Vous avez changé depuis ce qui s'est passé? Le monde a changé, l'Europe a réalisé qu'elle n'était plus à l'abri des actes terroristes de l'islamisme. Nous avons forcément changé puisque nous avons été meurtris, mais nous n'avons pas changé notre volonté de nous battre et de défendre la liberté d'expression. Il mondo è cambiato, l'Europa è cambiata perché all'improvviso è diventata debole, ma noi non siamo cambiati nel nostro modo di essere e di fare satira. Merci.